Bonjour mesdames, bonjour monsieur, Jean-Robert Philippe, je salue nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Je vous dis à ce mardi 21 novembre 2023. Eh bien, maintenant nous pour nous raconter là qui ça nous a parlé, est-ce que vous écoutez pour nous parler, pas ça, et les Sius, et est-ce que vous entendez un peu maintenant? Oui, j'ai autant d'aime tout. Donc, autant d'aime. Non, mon ça fait ça. Si ça va pas de quoi obliger un événement, je ne sais pas si du coup là. Ça veut dire que nous sommes dérapés. Eh bien, ok. Et non, autant d'eau. Ok. Bonjour. Bonsoir encore, car ça a l'air qu'il y a encore un gars de Tibadboussa. Je dis à nous que nous avons empêché parce que nous avons un mauvais temps. Dans Washington, donc on l'a appelé Captain Vidé matin. Donc, côté m'habitue à aller, moi, pas qu'à aller là. Et je suis obligé de venir dans la salle des nouvelles là-bas d'Amérique, là, dans la salle des nouvelles là-bas. Et nous, tous ces là, nous sommes censés faire live, faire bail, ou pas dans un direct. Donc, c'est une après l'autre. Donc, la mina, il y a deux positions là, à côté, pour qu'on va faire votre agent dans la salle des nouvelles là, mais bon. Malheureusement, la mitoire était occupée, donc on vit un petit temps, donc on n'a pas qu'à des gens qui étaient là en venant pour prendre place. Donc, c'est ça qui a passé. Les gars, pour qu'à devenir actualité, il y a des pays Brixio et des pays membres Brixio qui réunissent. Et ils réunissent d'abord c'est de façon virtuelle pour demander une fin dans la guerre qui vient dans entre Israël avec Hamas là. On a dit que actuellement, les États-Unis ont annoncé que des sous-points. En fait, ils presque. Je n'ai eu entente pour libération 230 otages qui n'ont même groupe militant amassé depuis 7 octobre passé. Mais les États-Unis disent pas un détail, comme détail qu'ils sont capables de faire encore, à part de annoncer seulement qu'ils sont capables de faire. Mais cependant, les États-Unis disent Israël, encourage Israël avec Hamas pour suspendre le gouvernement de l'hôpital. C'est vrai que les États-Unis, bon, ils ont parlé, dit qu'ils n'ont pas au moins d'une attaque qui était faite dans l'hôpital Indonésie qui est dans le territoire Gaza. Mais d'après sa responsable qui était conçu l'hôpital indonésien, alors responsable de la fond déclaration depuis Jakarta, c'est le président du groupe qui est le merci. Et bien lui-même dit que c'est un groupe qui est tombé dans le troisième état de l'hôpital là, donc un pile monde blessé, près de 700. Les blessés, il y a environ 7 personnes qui mourent, et parmi eux, il y a 2 médecins, et surtout, il y en a dans eux, un chirurgien qui mourent. Donc, c'est peut-être le sujet que je vais parler avec nous aujourd'hui, dans le programme de la télévision. Et puis, ça qui est l'autre groupe qui se sape de bien actuellement, pratiquement ici aux États-Unis, c'est parce que c'est période fête. Donc, l'Amérique n'a pas pu célébrer. Et Judas-Sion de Gassa, qui se va jeudi, donc pratiquement haïtien américain ont un mode de voyage qu'on y a, ou bien un mode de fête, un voyage avec des gens qui peuvent apprécier le voyage et puis aller passer fête la famille, donc toute l'activité ont été en calme, etc. Et bon, ici, hier, président Joe Biden n'était pas donné deux codes que normalement qui va passer en bas que couteau peuple américain pas passer en bas donc il pas parler sous table et famille américaine donc de coden ça veut non pas de parler et faire reste vieux là donc c'était la grande c'est une tradition des États-Unis que des présidents chaque année parmi millions coden qui mourir et bien il y a deux coden que président le plus ancien c'est un mâle et une femelle que président dit pardonner. Non, l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est surtout l'intempérie. Nous avons noté qu'un gros lapide est tombé le week-end dans l'île espagnole que Haïti partage avec la République dominicaine. Mais en tout cas, la pluie a semblé faire un pile dégâts, surtout en République dominicaine, côté autorité dominicaine. Découvrir gain au moins et 21 personnes qui mourent. Et parmi les gens qui mourent, il y a gagné là-dedans. Gen trois haïtiens qui t'a mouri là-dedans yo et puis gen quatre citoyens américains tout qui mouri mais autorité dominicaine dit c'est plus peur de mal j'ai décrété une sorte d'état d'urgence pendant plusieurs jours et c'est ça président dominicain Luis Abinader qui est fait et mais en Haïti il y a pas qu'on parle de mort parce que protection civile qui sont ces agences qui occupent de
et de désastres naturels, etc. Mais il y a beaucoup, pour quelque chose, raison, hein. Mais il y a parlé surtout, il est probable qu'il y ait un monde qui t'a mouru, mais il est probable qu'il y ait une rivière qui a coulé dans ces deux zones. Mais tout, il parlait tout de et dégâts, ça que les dégâts matériels, et par exemple, monde qui est dans la grande danse, il y a une rivière, les rivières glace. Et sous trois Jérémy, et bien, il y a ça, il y a des cendres, il y a fait des gâteaux. Donc, mais pourquoi on bilan jusqu'à présent que les responsables de la protection civile au bail que nous avons tant de et puis, le premier ministre haïtien, Ariel Henry, et nous avons pris ce qu'on a accordé dernièrement là avec l'Arabie Saoudite, et bien, il sollicitait bon office de et ancien premier ministre britannique Tony Blair pour venir aider dans. Dans mes ententes, dans la radio, ou bien dans la bouche l'ouvrir, que Haïti gagne avec la République dominicaine soit fait construction et reconstruction barrage, ou reconstruction et canal irrigation sous le massacre là. Et bien, bon, c'est. Parce que d'après ça, le premier ministre fait qu'on est, ça semble que le premier ministre, pendant le temps, en Arabie Saoudite, là, il a fait parler avec. À ce premier ministre Tony Blair, eh bien, il m'a demandé pour l'intervention de l'intervention au office pour voir que M. Carab résout et mes ententes de bien de pays soit fait que ce canal-là et pour que le cas avance, gagner association transporteur haïtien, eh bien, il m'a demandé une trêve pour que les frontières soient ouvertes pour permettre de rentrer en Haïti avec un paquet de machines, un paquet de camions qui bloquaient en République dominicaine depuis le conflit a été éclaté. Et ils ont dit qu'il n'y a jour pas suffit pour soutenir avec les machines. Ça va être la première fois que les commerçants qui ont pris des marchandises, les commerçants qui ont fait commerce dans les frontières, et bien ça, c'est les machines, même les transports, qui bloqué en République dominicaine et qui pas sorti. Donc je dis un jour pas suffit pour faire voir ça, donc je demande à ce que il y au moins 5 jours pour capable au moins retirer toute machine haïtienne qui bloqué en République dominicaine, une machine capable retourner et dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent ça, c'est l'association transport, il pas grand pour avec l'association commerçant eux-mêmes, c'est deux entités différentes et chaque en position différente sur affaire oui ou une frontière. Il y a une nouvelle cap qui est là, tant que la frontière est arrivée dans une position en difficulté, qui était certainement une difficulté beaucoup plus technique, parce que l'assistant que le comité a pu recevoir n'est pas suffi. Et donc, si vous avez déjà commencé à faire préparation, commencé à annoncer que très probablement, le travail n'est pas capable de camper, et nous avons bloqué le canal satellite inauguré. Le 18 novembre passé, d'après ça qui était dit depuis le commencement. Mais après ça, l'ancien ministre haïtien à l'étranger d'une paraison, il a mis un message sur le compte X-Li, l'ancien réseau social Twitter, pour te dire que l'inauguration sera envoyée puisque le canal n'a pas fini dans l'air de prévoir et qu'on y a des difficultés techniques. Il y a une commission que le gouvernement est voyé à rencontrer les responsables, il a rencontré les fêtes, mais il n'a pas convaincu assez. Et parce que tu fais qu'on ait une position qui s'est ouvrée, le gouvernement est promis que la barre de science technique, surtout pour les gens venus, mais les gens sont venus, le comité a été bon, qui n'a pas fini pour marcher bien, et la commission a été retournée à Port-au-Prince, et le comité qui a géré le dossier a été parlé, a été écrit. Et par national pour demander et pour voir les commissions venir pour faire problème et aider à résoudre la dernière partie du travail là, mais il semble jusqu'à présent ça pour vous faire. Donc ça veut dire que le dossier a travaillé, a continué, il a encouragé, au contraire, le comité a encouragé les haïtiens de diaspora avec l'autre monde de bonne volonté pour continuer l'assistance que les haïtiens ont besoin, justement, ils ont besoin pour permettre que le canal d'irrigation ça a fini. Donc, pratiquement, c'est dossier ça qui est censé abdominer et actualité à sous même question. En Haïti, a gagné et président Assemblée générale Nations Unies, 78e Assemblée générale Nations Unies, et bien, monsieur, il a visité Haïti. Pour être rencontré avec le premier ministre Ariel Henry, et bien, il m'a dit pour le premier ministre, et il a encouragé, il m'a demandé des pays membres pour que eux-mêmes, qui ont porté assistance à Haïti dans le moment ça, pour que Haïti, surtout avec Paul Mission
et police Kenya qui vient pour aller en Haïti pour aller déposer national là combattre gang armée très certainement avec objectif final pour être déboucher sur une élection à élection qui permettre que un nouveau gouvernement, un nouveau président, mais jusqu'à présent pour qu'on finisse décider définitivement parce que le premier ministre Henri Guépoli publier liste conseil électoral provisoire là avec liste et comité consultatif et constitution mais comité pour réviser constitution donc et d'après ça un responsable dans ACT dit les dit que même il était déjà soumettre by président sans et liste non yo c'est seulement arrêté pour que et primature là publié dans journal officiel le moniteur non monde qui va faire partie de commission ça. Donc, entre-temps, l'opposition a raffermi les lignes. Jusqu'à présent, M. Toudi, je ne vais pas négocier avec le premier Sahel Henry. Il m'a dit que le premier Sahel Henry doit retirer l'école et tout le monde a posé la question qu'on a. Ça a passé le 7 février 2024. Et les dates que le premier Sahel Henry était bain, encore qu'il était signé le 21 décembre 2022, pour te promettre un bon gouvernement élu le 7 février 2024. C'est vrai que dit que depuis une fois que date ça arrivé, donc l'idée il n'y a pas l'autre choix que seulement aller pour le pouvoir. Alors que supporter le premier ministre là, ensemble avec l'accord 21 décembre, là, mais il dit que le premier Sahel Henry n'a pas besoin d'un genou accord avec les partis concernés, mais peut-être, mais seulement ils ont entendement. Et le président ACTA a parlé de professeur Minel Maninga, lui-même dit que c'est vrai, il connaît ça, mais il dit que pas grand qui fait vraiment pour démontrer que le combat qui a passé le 7 février 2024 et que la date février, c'est son date comme l'autre date, donc grand public qui a passé, grand public disposition qui a pris, mais il n'y a pas quoi que Haïti a gagné, parce qu'il n'y a aucune disposition qui prend pour que les élections aient déroulé. Et en fait, pratiquement, c'est la question et question sur les affaires pays d'Haïti concernant l'actualité, concernant grand point qui a dominé l'actualité. Et puis, M. Negamio continue à fonctionner. Bon, et M. jusqu'à présent, la police nationale a fait des efforts par le problème qui mesure capable d'empêcher les gangs de fonctionner, ça veut dire opérer dans la capitale surtout. Mais c'est de temps en temps, on a eu des cas de kidnapping, côté que des gens qui prennent en otage, qui ont un corps qui bouge, etc. Et puis, la justice, pour la première fois, juste instruction, jusqu'à instruire dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, eh bien, il voué dans un dépôt ancien, ou bien encore voué dans un dépôt chef gouvernement intérimaire, chef, et comment elle est, Maïsra, en elle, comme ça, Maïsra Vijakmel, là. Et ma qui que ça qui était un peu te venir répondre question et juge là et bien pendant monsieur venir répondre question juge là j'ai tombé tes mains sur monsieur et le voyait monsieur dans dépôt donc monsieur fermé dans pénitentiaire national dans ta semblé que juge là bien assez indice et qui pour semblait ta montrer que magistrat ancien magistrat ou bien je voulais elle l'état gain pouvoir avec ou bien l'état gain information pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Cependant, et j'ai un structure là, il y a deux autres encore, deux autres gros autobus, c'est M. Pierre-Louis, qui sont responsables de l'appareil national, il y a un tout pour l'État, il m'a dit, et pour le temps des tours, et actuel représentant Haïti dans l'OEA, on a parlé de directeur, ancien directeur, président ambassadeur Léon Charles, qui était déjà venu devant déjà pour devenir répondre une question sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse, mais il a trouvé que l'initiative a amélioré, attendez encore. Donc il n'y a que d'attendre, quoi que l'y écrit et commissaire gouvernement ou bien encore responsable a acheminé le dossier à parchemin de dossier à la ministre de la Justice qui va mettre qui va discuter dans le Conseil des ministres. Et là encore, c'est l'ESAO et le Conseil des ministres va décider si oui ou non il a autorisé et autobus l'État Sahara parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut que le lion de position appelé dans le gouvernement, il faut que le gouvernement autorise pour présenter devant la justice. Donc,
peut-être c'est ça qui a passé. Donc ce dossier encore qu'il ouvre, un peu le monde dit c'est la première fois que gagne un dossier comme ça. Et en fait, commissaire, en fait, le juge instructeur là a voyé un monde en dépôt sur le dossier. Alors que déjà aux États-Unis, il y a un monde qui est déjà condamné pour le dossier. Et il y a un autre monde encore qui vient pour comparer devant et tribunal encore dans le mois de décembre qui a venu là justement sur, concernant le dossier ça, mais au moins il y a deux monde, au moins il y a deux monde qui sont déjà condamné et à perpétuité, et le 5 décembre encore il y a l'autre monde qui a présenté devant le tribunal encore pour y aller plaider, puis il dit si oui ou non il a plaidé coupable, sinon c'est pas plaidé coupable par le jugement qui a fait le dossier. Donc ça veut dire que le monde qui a subi le dossier a dit que en principe le dossier États-Unis puis avancé ce dossier assassinat président Jovenel qui pop Haïti même qui a longtemps depuis a mené une enquête sur dossier ci là et nous rappeler que il y a un dossier une carte que l'opposition a joué actuellement dans négociation qui se fait récemment avec CARICOM pour résoudre crise pays d'Haïti a et bien dernier dossier dernier carte monsieur Oralé et opposition Oralé qu'on a demandé que il a pas négocié avec le premier ministre Henry parce que premier ministre Henry gagné. Et une convocation qui était faite depuis au début, il a demandé pour le présenter devant la justice pour devenir une bonne question tout sur dossier-là, sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça va en fait, il a demandé qu'on y a, il faut qu'il y aille devant le juge-là pour la répondre question, pour la dire qui ça que lui-même ni connaît dans le dossier-là. Et donc c'est comme ça le dossier a avancé. Et puis je dis à ma plo que Fred Kamit est encore là avec nous. Donc, il y a une sur différentes actualités, surtout. Et même si c'est fait, nous-mêmes, nous pas chômés, et correspondant nous qui sont, parce que ce soir, c'est ça qui est sous frontière, ou bien nous avons des collègues qui sont dans New York, ou bien gentil, nous souhaitons pour gagner bon, pour rétablir les, parce que gentil empêché. Mais bah, c'est pas grave. Nous pas tant de gentil sur ça, mais très probablement, sur une prochaine en acte de monsieur quand même. Et puis, nous ne pouvons pas se dire Malice bien. Bon retour, et puis Malice là, lui-même, là, qui est avec nous là. N'a pas poussé au pied devant. En tout cas, je dis à ce mercredi, je dis à ce mardi et 21 et novembre. Donc, nous souhaitons vous passer une bonne semaine avec nous. Moi, c'est Jean-Baptiste, je vous salue. Nous, je dis que nous avons la piste, ça fait nous avons dans le cas là. Nous, nous avons dans le cas là. Là. Donc, nous avons la piste qui a tombé le matin. Et je pas aimé mouiller, parce que l'homme mouille, ici, doit glacer et ou capable pour la maladie. Donc ils font un petit côté pour nous en dedans tout que nous viendra venir là-dedans les samaré et puis dossier frontière États-Unis on attend toujours attendre décision juge équipe dans appel pour prendre sous dossier immigration. Nous rappelons qu'il y a 20 états qui étaient pour plainte et pour demander mettre fin à programme Biden pour capter le programme Biden programme humanitaire là qui en fait faciliter ou permettre et citoyens haïtiens, cubains et nicaraguayens avec vénézuéliens rentrer aux États-Unis par voie aérienne moyennant que grand monde aux États-Unis qui patronne eux et bien républicain état républicain ça eux 20 états et bien même été pour traitement des métiers dans le programme mais juste temps jusqu'à présent pour prononcer sous de ceci là puis un petit dossier concernant le football les États-Unis est qualifié alors c'est sur football masculin États-Unis hein, senior là les qualifié pour et semi-finale ligue pays CONCACAF après li, malgré que perdu devant Trinidad Blackhawks Trinidad 2-1 mais États-Unis était assuré le match aller a été remporté match aller à 3-0 donc Américains qualifié et sous goal différence gagne équipe Panama et bien équipe Panama li qualifié tout et Chicosio pour dire que ça a été perdu Blackhawks 3-0 face à aller retourner là je match retour à la dans Panama et bien match retour pas bon pour eux encore ils perdent 3-1 donc Panama lui-même est qualifié alors deux équipes sont qualifiées pour une finale là on parle des États-Unis avec Panama et bien ils ont tout qualifié tout pour Copa América qui a déroulé ici aux États-Unis en 2024 et c'est pratiquement pour saison été et bien c'est bon alors on me dit une bonne nouvelle là c'est que Match d'ouverture Copa América déroulé dans Atlanta en Géorgie
c'est ma d'ouverture là et puis match et final là l'a déroulé dans Miami donc mon Miami est content parce que et pour une fois il fait une grâce parce que tout, le plus souvent match ça yo gros match ça yo et que ça c'est ma d'ouverture compétition bien match de clôture et final il est toujours déroulé sous côte ouest là en Californie dans Los Angeles ou mais on côté quand même sous côte ouest là mais fois ça fait une grâce match ni match d'ouverture a déroulé Bola Kaino donc c'est dans Atlanta Georgie qui pas trop loin ici là ça et puis le match final là qui a fait le 14 juillet et jour fête indépendance des États-Unis et bien l'a déroulé et dans Miami Floride donc en pile bonne nouvelle donc entre temps Panama et États-Unis et bien même avec le fait que qualifié déjà pour semi finale et ligue Ligue Spi Concacafio, eh bien, ça a déjà un ticket pour passer gain 6 pays dans Concacaf là, cap participer dans Copa América 2024 là. Donc, gain deux tickets. Je diable gain match tout toujours dans quart de finale qui était joué et match aller. Je diable gain Canada cap accueillir Jamaïque. N'importe que Canada te cali Jamaïque la cali dans Kingston et puis gain équipe Honduras qui était à Cali, Mexique, la Cali, et pas la Cali, Mexique, non, c'est qui t'a pas qu'il Mexique dans le match aléa, et bien, et qui peut, on dit à ça, t'es remporté le match aléa 2 à 0, et bien, je dis à, ouh, on dit à ça, je match à dans le stade Azteca, son stade qui toujours porté bonheur pour Mexique, parce que le Mexique, besoin qu'à l'équipe, c'est là, mais non, côté que, et qui sont stade qui en altitude, donc, sont pas habitués à jouer en altitude, les 5-10 premières minutes, on a souffert tellement et Mexique est très fort dans ça. Et bien, c'est là qu'on a l'empire de l'équipe et Haïti capable de ça mieux passer tout le monde. Donc, je dis à Gain, à Soué, à Gain, match Mexique là, qui a accueilli Honduras Takali. Et puis, Gain, tout Canada qui a accueilli l'équipe Jamaïque là. Donc, l'équipe Sao, ni Honduras, ni Canada, il va jouer match tout avec un avantage psychologique face à l'adversaire. Et puis, il y a tout dans la zone Amérique du Sud là. Je dis à Siva dans Maracana, et dans le Maracana au Brésil, et bien, la terre prêt à le trembler. Le Brésil a paqué sélection argentine. Rappelons que et dans le cadre des matchs qualificatifs Coupe du Monde 2026 là, et Brésil a vu un match après aussi une défaite. Il a vu un match après aussi une deuxième défaite. Yo. Et dans la compétition, hein? Même pareil pour l'Argentine, tout. L'Argentine subit une défaite seulement depuis la compétition de commencer. Donc, rappelez que l'Argentine a perdu devant l'équipe devant Uruguay, 2 à 0, bel match. Et que M. Teguin, et puis Brésil, lui-même, tout a perdu tout devant Colombie. Donc, ça veut dire que bah, la marée est nette. Et Brésil, ça va être Brésil deuxième. Défaite li dans la compétition, ça va être une première défaite li depuis l'LT remporté Coupe du Monde là, Coupe du Monde là, et dans Qatar là, donc ça veut dire que. Mais c'est comme c'est deux adversaires, et c'est deux équipes qui connaissent l'autre, c'est deux équipes les abjouent par une chouette, et bien, et fanatique, je dis à nous qu'il y a peut-être gay pour nous parler parce que si les fanatiques argentins, les fanatiques brésiliens, qui font silence total après l'équipe a été perdue. Ils n'ont pas parlé, jamais parlé de questions parce que c'est comme si rien n'est pas arrivé du tout. C'est comme si tout le monde fait silence pour parler de ça. Peut-être à soir après le match a fini, au moins il y a un bagage, le fanatique a un combat pour parler. Mais à ma salle, nous, Jean-Robert Philippe, depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC, et nous souhaitons que nous n'avons pas rencontré encore. Et mercredi encore, pour notre petit bat de bouche encore sur le dossier, c'est sur l'autre grand point qui est censé appeler dominer l'actualité. À pas oublier les frontières États-Unis par avec Mexique, les immigrants qui ont besoin de la frontière américaine toujours. Rappelez ou pas qu'elles sont frontières, sont pas gagnées rendez-vous. Donc, si vous avez besoin de la frontière pour aller demander asile, eh bien, il faut prendre rendez-vous. Mais États-Unis encouragent à utiliser le programme légal pour venir aux États-Unis et tout comme Canada actuellement ouvre un programme tout, même si le programme Canada est beaucoup plus restreint en termes de qui est capable de bénéficier et qui est capable des conditions et pour venir dans le programme Canada, mais quand même c'est en plus lié pour et tout immigrant qui a cherché à quitter le pays pour quelque soit la raison, pour chercher la vie meilleure de l'autre côté. Bonsoir tout le monde.